Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Ah, il faut que je mette mes écouteurs parce que sinon ça va faire écho. Alors pardon, j'ai démarré un peu plus tard que d'hab. Parce que voilà, on est dimanche, tranquille, peinard, pépouze, ou là je suis en train de bêtises applicables. Attendez voir. Voilà. Il y a trop de tension. Ah, j'ai très bien dormi cette nuit. Je sais que je m'étais couché à 21h. Et là, je me suis réveillé il y a moins d'une heure. Donc c'est assez effrayant. J'ai dû dormir au moins 10 heures si c'est pas 11. Tout va bien. J'avais besoin de repos. Voilà. Allez, go. Continue le rallye. La joie et la bonne humeur. Voilà, mes télécommandes de télé qui me rendent tout fou. Commençons ce dimanche matin en écoutant toujours l'excellent Adam Castillo. Oh merde, il pleut. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bonjour Olive Kittus, est-ce que tu vas bien? Bah c'est terrible, je commence une étape, tu l'as pris. Bonne inverse dans le jeu. Oh,
saut. Ouais, oulala. Oulala. J'ai déstabilisé la tuture. Bonjour SDR, j'ai l'air du point de l'œil que tu manifestes dans le chat. J'espère que tout va bien. Je suis mon vilain, je suis mon étape, j'essaie de rester concentré. Et comme vous le savez, pendant le ralenti, je serai beaucoup plus réceptif. Vache. Ah, il faut que j'augmente la luminosité de ma date graphique là. Parce que là, le contraste est pas bon. Je vois quasiment rien dans les zones brunes. C'est quasiment la nuit pour moi. Chaque fois, j'oublie quand je vois ce jeu de nuit. Bonjour Olive. Me décoiffe quand même par politesse, on ne voit plus. Bonjour SDR. Ah, que je me dise. Le message log. Ouais, moi ça va, merci. J'ai fait une grosse nuit de dos. Là, c'est le constat que je faisais à l'ouverture de l'antenne, de me dire, sachant que je me suis couché à 21h et que je me suis réveillé il y a tout juste une heure, j'ai dû dormir au moins 10 heures. Alors, je me suis pas endormi tout de suite, mais j'étais claqué mort hier. Mais c'est bien, c'est une fatigue saine. Donc c'est cool. C'est cool. Oui, les virages serrés, jamais évident. Non, mais là, le problème, c'est la flotte et ma dalle graphique là. Il faut que je change de mode d'éclairage. Quand il y a de l'ombre, au début, pour moi, c'est quasiment la nuit, je vois rien. Il faut que je change de mode d'éclairage pour le jeu. Sinon je me fais avoir comme un beau.
Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Alors je consomme plus d'électricité parce que je demande à ma dalle graphique d'être plus claire, mais plus lumineuse. C'est le temps du jeu. Ok, ouais, c'est bien. Ok, ouais, c'est vrai que le week-end prochain, j'étais là juste le samedi matin, et à mon avis, je ferai soit le jeu là, soit du Minecraft. Oui, oui, tu me contactes quand tu veux, SDR. Ouais, ouais, ok, c'est cool, on se lance début mars dans le Final Fantasy. Alors, moi, c'est mon point de vue, mais n'hésite pas à partager le tien, SDR. Et je m'adapterai en fonction de ce que tu souhaites. Je pense que le faire le matin est une meilleure chose. Je pourrais presque quasiment bloquer le samedi matin et le dimanche matin si tu le souhaites. Quoique le samedi, moi je crois que tu bosses, enfin, tu me rediras. Mais moi ce qui me semble le plus pertinent, c'est de faire le Final Fantasy le matin. En gros de 9h à 13h. Mais si tu préfères une autre plage horaire, une autre périodicité, tu me le dis. L'essentiel pour moi c'est le plaisir de jouer. Un peu que quand tu veux tu as une idée ça. Et en plus de me guider, ce que j'espère c'est que tu vas pouvoir me faire un commentaire spontané, comme tu es passionné de la licence. Ne serait-ce que de ce pouce là. Ouais, c'est nickel le matin. Cool. Ouais, t'es plus en forme le matin. Ouais, je comprends. Ouais, bah on fera comme ça. Il faudrait qu'on se fasse des tests. On la voit là, tu sais, sur Discord. On se bloquera. Je sais pas quel jour, peut-être un vendredi après-midi, un vendredi soir. On le fera à l'arrache le samedi matin même. Voilà, le premier qui se réveille contacte l'autre. Mais en douceur, tu sais, on ne s'impose pas d'horaire. Tranquille, quoi. Ouais, oh, j'aimerais que tu me démanges, excusez-moi, c'est chaud. Moi, je suis dans l'oreille. Alors là, ce matin, je me suis connecté, je comprends pas. Mais j'ai dû avoir, durant la nuit, j'ai dû avoir un escadron de faux comptes qui est venu polluer ma chaîne. Je sais même pas si je pourrais vous montrer ça. Attendez voir. Attendez, j'en fais même pause la musique. Attendez, regardez voir. Hop, je sais pas si vous... Ouais, vous voyez ? Regardez, sur le côté, la colonne de noms. C'est plein de faux comptes. Vous avez vu la tonne? C'est n'importe quoi. Alors qu'on est que deux entre nous, là, SDR et Olive, qui tue. Mais tout le reste, c'est apparu cette nuit. C'est... Non mais Twitch est complètement... pollué, on va dire. Ouais, ça fait peur. Hein. Puis ça apparaît, ça disparaît, ça dépend des jours. Oui, c'est dingue. Mais c'est ce que j'appelle les comptes fantômes. C'est des comptes qui ont été piratés. Et il y a je sais pas quelle intelligence artificielle de programmer qui fout la merde, quoi. Bah, ça fait peur. Ce qui est gênant, c'est que ça pollue. Là, ça fausserait mes statistiques. Si je m'en tiens à la colonne, vous êtes 15 avec moi. Si je regarde mon compteur, je vous ai nommé, on est entre nous, hein. On est deux. Enfin, vous êtes deux spectateurs actifs. C'est Twitch.
compte. J'ai oublié de nettoyer mes cartes lunettes ce matin. Pas bien. On va profiter du ralenti pour nettoyer mes lunettes. Oh, une Corégone du lac de Constance. Le nom est classe. Une Corégone de lac de Constance. Bien, bien. Alors d'ailleurs, quand on regarde les différents classements sur ta chaîne, il y a des noms qui apparaissent jamais, enfin qu'on n'a jamais vu, ouais. Qui apparaissent et qu'on n'a jamais vu. Oui, oui, bah c'est les comptes fantômes. Ça pollue les stats aussi. Ouais, c'est bizarre. C'est Twitch. Par contre, je pense que c'est authentique les nombres de vues pour les vidéos sur Twitch, le compteur de visionnage. Je pensais moi au début que c'était truqué pour gonfler artificiellement les petits cons, pour les motiver à continuer l'aventure Twitch, pour franchement leur faire croire « Ouais, vous scorez, vous êtes performant, vous avez votre public, continuez. » Je pensais qu'il y avait un peu de bluff, quoi. Il faut pas que je me plante dans le menu. Et non, j'ai vu d'autres chaînes, d'autres comptes où ils ont vraiment peu de vues, c'est-à-dire à peine une dizaine de vues par vidéo. Et moi, il y a des trucs qui m'épatent. Par exemple, souvenez-vous l'inauguration du 1er janvier qui dure 11 heures. Dès les 24 heures, j'étais quasiment à 100 visionnages. Alors merci à vous, c'est impressionnant, ça me dépasse, je vous le cache pas. Mais bon, tant que mon contenu vous plaît, tant mieux. Moi, je pensais que c'était truqué, quoi. Mais dans le sens, ce que je viens de vous expliquer, motiver les débutants à continuer leur aventure en gonflant les chiffres. Mais apparemment, non, c'est pas le cas. Il y en a vraiment qui ont à peine 2-3 vues sur leur vidéo. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe, mais je vois pas quoi. Ou alors ce serait terrible, ça voudrait dire qu'on n'est pas traité à égalité. Enfin, ça paraît plus bizarre. Enfin, je vous partage mon sentiment et mes analyses. Voilà, là vous voyez, je suis bien content d'avoir réglé la luminosité sur mon écran. Parce qu'une épreuve de nuit avec le mauvais. Le contraste, c'est l'horreur. Ça fait canyon, hein. Franchement. Oula. Le mec qui saute trop loin, il finit à l'autre bout de la colline. Oh non!
Oh, j'ai renversé mon bolide. Oups. Oh là. Ouh là là, on va se calmer. Je suis bon dernier, mais je suis arrivé. C'est l'essentiel. Oh, les yeux bleus, gris, argentés là du monsieur, du copilote, c'est... Ah, c'est un petit jeu bizarre de voir. Bonjour Twinsen. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi je te vois pas sur le retour en bleu? Ah si, je suis bête. Mais c'est parce qu'en fait t'apparais en blanc dans le chat sur fond bleu. Donc du coup je crois que c'est du simple texte de SDR. Heureusement que j'ai mon autre logiciel de chat pour pouvoir te repérer en fait. Sinon je t'aurais mis un vent mon pauvre Twinsen. Alors les messages privés Discord je les lirai en antenne. Je m'arrange pour désactiver Discord quand je suis en direct pour éviter les plantages. Donc je te lirai avec plaisir en début d'après-midi là quand je laisserai l'antenne à FunFan de 13 à 16. Qui apparaissent pas sur le chat SDR, le chat qui est sur fond bleu, moi en fait je me suis censuré si tu veux, c'est à dire que certes vous verrez mes messages en tant que le sage de Nancy sur la véritable interface d'origine Twitch, mais pour le retour écran je me suis censuré moi, c'est à dire que j'ai ignoré mes messages, le sage de Nancy. Ce que je vous dis, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je suis le diffuseur, alors j'ai une info à vous donner, je vous la donne oralement. Quand je fais des commandes spéciales pour les récompenses en Berga, là, en plan de chaîne ou autre fonctionnalité en tout genre, ça évite un bis repetita, ça permet de d'épurer un peu le chat. Je m'étais posé la question, je savais que j'en avais la possibilité, et vu hop, allez, je franchis le pas, je me censure. J'avais pas vu l'église en arrière-plan.
Bien qu'il fait un temps très gris là, au milieu du ciel. On a vu brièvement une église, c'était sympa. Ah bon? Fun fan ou Twin Sen, t'as leur message qui apparaît seulement sur le fond bleu. Tu l'as pas dans l'interface Twitch. Ça par contre c'est pas normal. T'es pas censé pouvoir censurer un tel ou un tel dans ta propre interface Twitch quoi, en tant que spectateur, ou alors c'est une fonctionnalité que j'ai jamais exploitée, mais je suis pas au courant. Alors là ton expérience, ouais c'est pas d'aujourd'hui, ouais. Ça me surprend SDR, mais tu nous regardes depuis un PC ou depuis une tablette ou un téléphone intelligent là, des smartphones? Juste pour savoir. Ah non, t'es sur PC. Alors je te cache pas ma surprise. Oui, Twin Sen n'a pas tort dans la technique. C'est-à-dire de te déconnecter, de purger le cache de ton navigateur. Et de repartir sur une base propre, éventuellement, ouais, ça peut éviter quelques bugs. Effectivement, bonne astuce de Twin Sen. Repartir sur une base propre, en fait, au niveau de la connexion. Pardon. C'est un chef en technique, une salle. Bien. Ouais, oh, tu sais, ça en coûte le coup, l'application téléphone, du coup, puisqu'il me suit sur PC. SDR. Ah, beau temps sur les deux dernières étapes d'Argentine. Ah, presque 9 km. Wow. Ah non, j'ai oublié de me reprendre ma flotte, moi. San Marco Sierra. C'est beau. J'ai oublié de reprendre ma flotte. C'est pas bien. Je crois que je lève mes fesses pendant le ralenti. Vous avez fait tous les deux en même temps hydrater le sage. Ouais, merci. Ouais, ouais, je vais le faire après. Fin de l'étape, je vais le faire. Ah, ouf. Thank you.
Ah, je me suis vu merder ma manœuvre. Oh, cette ascension. Je pourrais être presque à Pike Peaks. À Pike Peaks, quand même. La célèbre course de côte américaine. Merde, pas coupé. Il y en a du monde. L'animation est bien faite, hein, j'ai mis un... Oula. Ah,
ça en fait des chicanes. N'importe quoi, moi. Mais je suis pas dernier. À ma grande surprise. Ah. Oui, comme tu dis, oui, t'es bien là. Mais effectivement, je suis pas trop mauvais. Je m'attendais à une note plus sévère. Je vais aller chercher ma flotte. Merci à vous. Moi, je vais parler trop vite. Oh, 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 qu'est-ce qui arrive à Ezer à la pêche? Oh, 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 oh. Non, attends quoi? Ah, ah, dommage. Oh là là, je suis dans la flotte en plus. Je vous rassure, je ne bois pas du sirop pur. C'est juste que je recycle les bidons en rajoutant de la flotte dedans, en mettant un petit fond de sirop et ça me sert de gourde. Et c'est vrai que d'un point de vue hygiénique, au maximum je conserve ça à un mois, qui est quand même pas des bactéries qui se développent à l'intérieur. Mais c'est pratique. Je sais pas quand, dans le courant du mois, donc tiens, si je... Oh, si je m'entamisais ma lumière avec le chapeau dessus. Ça fait quoi? Bref. J'étais en train de repenser, vous savez, au petit jeu dont je vous ai parlé hier. Peut-être que courant mars, enfin à partir de mars, j'essaierai d'en faire 3-4. Le karaté va trouver le jeu, ça. Je sens que le karaté, c'est celui-là. Le karaté, je suis pas comme ça que je me marre. Il va peut-être durer qu'une heure, mais. Et celui-là, franchement, le Dark Apert, je vais vous le faire et je vais vous le présenter avec enthousiasme. Ce qui m'avait marqué, mais en bien. D'ailleurs, j'ai pas recherché le jeu dont je vous avais également parlé, mais il y a déjà peut-être un mois de ça. Le gars qui a dû astucieusement matérialiser en jeu vidéo un cauchemar qu'il a dû faire. Il est dans un supermarché et en fait il faut tuer toutes les araignées. Et le gros boss final, c'est la grosse araignée qui est sur le toit du supermarché. C'est un truc de fou, mais excellent. J'étais parvenu à la fin du jeu, c'est un petit jeu. Faudra que je recherche sur internet si je peux le retrouver. Peut-être que je l'ai dans mes archives, moi gravé sur DVD, possible aussi. Faudrait que j'interroge ma base de données. Il y a des petites perles comme ça en jeu vidéo, franchement. Qui n'ont pas de réputation. Et pourtant, on devrait. Enfin, c'est mon avis. Mais. Oh, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'à partir de ce soir jusqu'à demain, on va avoir un épisode de vent. Je crois qu'il y a déjà 4 départements du Nord qui sont à nouveau en alerte orange. Tiens, d'ailleurs, je vais jeter un rapide coup d'œil. Tant que j'y pense. Bon disco au niveau de la météo. Ouais, c'est encore la pointe Nord qui va prendre cher. Deuxième service.
Ah, même moi j'aime pas. Moi pour la Lorraine je vais avoir des pointes à 80 km/h. Alors c'est plus raisonnable que celle à 95 que j'ai pu avoir vendredi soir. Mais c'est toujours désagréable. Ouais, c'est la période. On pourrait presque dire que c'est une saison des vents. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que vendredi soir, moi, ça m'avait marqué. Par précaution, j'ai rentré le bac nouvelle. Et généralement, je suis en droit de laisser juste devant la façade de l'entrée. Et oui, comme tu dis, SDR, courage à tout le monde de faire attention. Vendredi soir, c'est vrai que dehors je me sentais bizarre, je sais pas si vous ça vous a fait l'effet là, mais on sentait que la pression atmosphérique n'était pas normale et il y avait quasiment pas de résistance à l'air. J'ai pendant un moment, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai vu dans une autre planète quoi. Et je me sentais bizarre vendredi après-midi. Oui, ça t'arrive aussi. Ouais, c'est bizarre, tu te dis, mais on dirait qu'il n'y a plus de pression atmosphérique, quoi. Donc c'est super bizarre comme sensation. Alors après, faut pas s'étonner qu'il débrasse que devant, il n'y a plus de résistance. J'aime bien le EA, EA dans le clip. Pas dans la musique. Oui, l'atmosphère est chelou. Hein. Oh, c'est arrivé. Oh mon dieu. Ah oui, on peut hocher la tête là. J'étais n'importe quoi. Message de le-sage-de-banancy, votre attention s'il vous plaît. SDR 51100 réclame une anecdote. Cher ESDR 51100, merci de bien vouloir décliner, dans le titre chat, le thème ou le mot-clé désiré. Ouais, c'est un mot-clé qui vient en tête, mon cher SDR. Bah, je me lance dans l'épreuve. Je te laisse déposer ton mot-clé. Quel thème tu aimerais que je te donne une anecdote? Une chose que j'ai dû vivre, je sais pas quoi. En fait, j'ai proposé c'est parce que de temps à autre, je donnais pas mal d'anecdotes, de choses que je connais ou de ma propre vie, à Ascardia, qui est une demoiselle qui suit Cadeau Anthony. Je me dis tiens, je vais proposer sur ma chaîne des anecdotes pour ceux qui s'intéressent. Et c'est devenu un jeu entre Ascaria et moi en fait. De temps en temps, elle me donne un mot-clé et puis je lui donne une anecdote qui me vient à l'esprit quoi, par rapport au Dino en question. Ah bien, je suis en train de me concentrer. Restaurant. Ok, je vais essayer de réfléchir si j'ai pas un truc vécu. Ah si! Oh, j'en ai une énorme sur un restaurant. Oh là, alors là, on va bien rigoler. Faut que je vous la raconte bien. Alors pour le coup, c'est une anecdote qui aurait été vécue par mon papa. Eh, c'est pas rien, c'est trop drôle. Il faut vraiment que je vous la raconte bien. Regardez, je fais l'épreuve et au moment du ralenti, je vous raconte. Non, il y a une rivière dans l'épreuve de spécial. Ah ouais, il y a un bac de flotte. Et je me pète les rochers, j'ai tout faux. Aïe. Bon, bah là, la spéciale au fond de la gauche, je l'ai perdu. Ah, merde. Right,
ça prend longtemps que je vois le panneau. Je n'ai jamais fait gaffe au parallèle. Par l'autre, t'as arrivé largement avant moi à prendre une énorme feu. Ouais, je crois que j'ai quasiment 20 secondes de retard. Minable. Aïe aïe. Alors, l'anecdote du restaurant vécu par feu mon papa, hommage à lui. C'était quand il bossait, quand il était encore actif. À un moment, il a dû aller à un voyage d'affaires pour l'entreprise qu'il représentait sur Paris. C'était dans les années 70, 80, je sais plus. Enfin, ça date. Hein. Et, oui, hommage à mon papa. Et, bref, donc rendez-vous d'affaires. Tu passes un bon moment à table. Tu as le budget qui est géré par l'entreprise. Mais c'est, vous savez, c'est les opérations séduction par rapport à un potentiel gros client. Tu le reçois bien. Donc bon resto, voilà, si ça doit être un week-end spécial, bon hôtel, etc. Enfin bref, c'est payé par l'entreprise. Et mon papa était missionné à séduire entre guillemets le client à ce qu'il achète les produits de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Bref. Et la journée se déroule certes bien, mais pas dans le bon rythme. Et le problème, c'est qu'à l'heure du déjeuner, enfin au moment où ils commençaient à avoir faim, ils avaient fini leur échange de la matinée, il était 15h. Et à Paris, à l'époque, c'était pas encore courant de trouver un resto qui était ouvert à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, pour se restaurer. Donc, ils ont traîné dans je sais plus quel arrondissement de Paris en quête d'un restaurant pour pouvoir manger et déjeuner à quasiment l'heure du goûter au final. Et ils ont trouvé un resto très particulier où c'était en fait le gars, ça devait être un rocker sataniste. Et donc vous imaginez l'aventure en rock heavy metal. Le gars, à mon avis, à l'époque, il devait passer pour un gros excentrique à Paris. Mais au moins, c'était un restaurant à thème. Et il faut savoir que parmi le groupe que gérait mon papa, il y avait un homme d'église, il y avait un curé. Mais le curé, en plus, il s'était pas cassé dans son habit. Il avait l'habit traditionnel, vous savez, la toge, avec littéralement la corde autour du bide. Donc voilà, c'était sa tenue, on va dire, de travail à l'homme d'église. Oui, ça, tu vas voir, ça va tourner de manière très drôle. Et le dîner se passe bien, c'est juste que l'ambiance est très particulière, mais ça les empêchait pas de bosser. Dont le curé, qui lui s'accommodait bien de la situation, le prenait apparemment avec philosophie. La particularité du resto, c'est que tous les menus, tous les plats, avaient des noms, c'était quasiment du blasphème, quoi, c'est-à-dire c'était des noms sataniques, des trucs, je sais pas, la choucroute du diablotin, enfin là j'avais pas les noms précis en tête, à une exception près, c'est là où se termine mon anecdote de restaurant. Ils avaient bien mangé, mais pour le dessert, le curé, il a dit écoutez, je vais m'offrir un dessert, j'en ai très envie, et bon. Les autres, même mon père, j'ai souvenir qu'il m'avait témoigné qu'il avait été rassasié, il voulait pas de dessert, ils avaient bien mangé, parce que les plats et les assiettes étaient généreuses. Et le curé, lui, il a pris son dessert. Il a eu deux boules rouges avec une cigarette russe bien plantée au milieu. Le dessert s'appelait les couilles du diable. Il a tout mangé. Quand mon père m'avait raconté ça, j'étais hilar mort de rire. Mais authentique. C'était une scène qui s'est passée à Paris dans les années 70-80, quoi. Mais franchement, tu te croirais dans un gag film français de la même époque, en fait, avec un Bourdeville ou un Fernandel ou un Louis de Funès. Ça pourrait franchement être un gag de cinéma, quoi. Et mon père l'a vécu. Et quand il m'a raconté ça, j'étais mort de rire. J'ai dit, t'as vécu des trucs. Voilà. Ah non, mais dingue. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ça pourrait même plus se produire, quoi. Enfin, j'y croirais pas. C'est... Bon, bref.
T'as bien fait de choisir le mot-clé restaurant, parce que tu vois, je l'avais zappé. Je l'avais au fond de ma mémoire. Wally, Wally. Allez, on passe à l'étape suivante. Ça va. Je trouve que je voulais pas trop mal raconter. Ça a été correct. Puis avec le temps, les années passant, je crois que j'oublie des détails. La version originale que m'avait raconté mon papa, c'était dans le détail que c'était drôle, en fait. Là, je me suis rappelé de la cordelette autour du bide du curé dans sa toge, quoi. Ça fait vraiment cliché, mais c'était tel qu'il me l'avait décrit. Non, franchement... Ah, la Grèce. Pas évident, la Grèce. Ouais, l'histoire là, ouais, elle est bien sympa. Ah, brouillard. Tiens. Déjà qu'il y a beaucoup de poussière en Grèce, comme la terre est sèche et que c'est venteux. Allez, go. To the go. Moins de 6 bornes, mais il y a beaucoup de virages en lacets. Ce que je viens de faire. Laissez passer. Don't cut.
cinquième, je déconne pas. Que m'arrive-t-il? Oula, oula, oula. Cinquième, cool. Oh, ça fait plaisir. Waouh. Ah ouais. La la portion 2, c'est moi qui ai le meilleur chrono. Génial. Eh bien, que se passe-t-il? Oh, merci pour les bits SDR. Oh là là. Mais pourquoi j'ai pas eu l'alerte? C'est bizarre que j'ai pas eu l'air. Merci, merci. Ou alors elle va arriver avec pas mal de retard. Ah oui, t'as envoyé des bits à 21, il est 21h. Enfin, il est 21h. N'importe quoi. Il est 21 minutes 30 secondes. Ah, peut-être dans les secondes à venir, ça va se déclencher. Je sais plus, je crois que j'ai peut-être une minute de décalage entre l'événement et l'alerte. Merci pour les GG. Mais ça pousse. Merci de ta générosité. Dans la cagnotte, la chaîne file à la compagnie. 13-12 serveurs. Minecraft sera financé ainsi que plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Vraiment simple on it, that seems good smile. Ouais. C'est spécial la voix, mais je vais la garder. C'est tellement psychédélique la voix qui prononce très mal le français. Ah là là, ce délire. Sympa la musique. Non, je repense mot clé restaurant là. Je suis ravi que t'apprécies Olive qui tue. Je me suis enregistré en train de chantonner joyeusement, en train de faire le foufou. Et puis je dis tiens, ça va faire une bonne alerte. J'ai bidouillé des effets spéciaux pour faire un effet comique supplémentaire. Oui, resto. Moi, ma propre expérience perso de mon premier resto professionnel. Il y a 15 ans de ça, j'avais mon patron qui m'avait en fait invité à déjeuner et j'ai failli commettre une énorme bévue. Alors pour le coup, vous avez deux anecdotes pour le podium, mais c'est parce que j'y repense en parlant de resto avec le monde professionnel, le monde du travail. C'est la première fois de ma vie que j'avais savouré de la purée fait maison, mais pas de l'industriel. Et le problème, quand on m'a servi mon plat, sur le moment, j'ai eu un effet de surprise quand j'ai eu la purée en bouche. Alors, j'étais avec mes trois collègues, dont mon patron, face de moi. Et là, je me suis senti pas bien. Je me dis, mais sur le coup, j'avais un effet de surprise suivi d'un effet de dégoût. J'aimais pas. Et je me dis, mais je peux pas recracher, là. C'est pas classe du tout, là, je suis mal. Donc, tout doucement, j'avale. Et puis je gamberge, je me dis mais je suis un imbécile en fait. Je suis en train de découvrir la vraie purée faite maison, pas la purée industrielle. Moi j'ai été élevé à tout ce qui est Vico et mousseline et les marques de purée en poudre industrielle. C'est ce jour-là que j'ai découvert la vraie purée faite maison, de manière artisanale, sans additifs. Le goût est pas du tout, la texture est pas du tout la même. J'ai fini par apprécier, j'ai fini par prendre mon assiette. Mais sur le coup, ça m'a fait un choc, c'est pour vous dire. Je me suis stoppé net dans ma mastication, enfin dans le fait de manger. J'étais en. Il m'arrive un truc là, c'est quoi là que j'ai en bouche?
Ah oui, ça a été un choc, on peut le dire. Ouais, c'est con, hein, mais j'ai... Et je goûte toujours pas hein, la purée industrielle. Hein. J'y suis habitué depuis que je suis gosse, donc j'aime bien, moi. Mais je dois reconnaître que je comprends parfaitement la critique de certains qui ont la chance de manger de la purée vraie, authentique, sans additifs, artisanale. Je comprendrais très bien leurs propos pour dire que c'est de la flotte, c'est de la merde, l'industriel. Parce que c'est vrai que c'est totalement différent. Oh, 15 bornes. Wouhou ! 15 bornes de graisse. On va déguster. Là, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. C'est presque d'ailleurs la longueur en kilomètres, ça fait la durée en minutes de l'étape. Ouais, Régini, on va savourer. Allez, c'est parti pour la graisse. Ouais. Ouais, 15 bornes, c'est presque du rallye endurance, là, parce que... Pour jouer la partition par cœur, vas-y. Allez, concentration. Ouais, le tigrou. La force du tigrou. C'est parti. Merci. De m'apercevoir que j'ai le titre de musique de tout ça. Faudra que je résolve ça au ralenti. Normalement là j'ai la barre minante qui doit faire défiler le titre. C'est pas le cas, c'est pas cool. Oula. Là, largement à l'extérieur, il va plus, il faut que je le fasse. Ah, freinage de mise. Oh, dommage. J'ai même un freinage. Straight 150.6 straight cut.
vache. Oula, 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 oula. Je perds le contrôle du véhicule, ça zigzag tellement. Je vais passer en mode anglais. Non. Autre côté, pas bien. Je vais pas presser n'importe quoi, hein. J'arrive pas à rester sur la piste à déraper comme je veux. Mince, j'ai mal lu les instructions du copilote. J'ai cru que c'était un virage beaucoup plus serré sur la gauche. Il faut vraiment avoir une hygiène d'athlète. Parce que je me mets à la place. Rien, encore le pilote, j'ai envie de dire ça va, c'est lui qui maîtrise le véhicule théoriquement. Mais le copilote,
il a le pif dans ses notes, qu'il a potentiellement apprises par cœur, et il est secoué comme dans un panier à salade. Vas-y pour lire tes notes dans des conditions pareilles. Ça m'a toujours impressionné. Ce genre d'épreuve, je dirais, c'est plus le copilote qui a davantage de mérite que le pilote. Merde. Oh, pas mieux. Oh merde, oh, le relief est traître. Allez, on repart. Ah, si le copilote n'a pas perdu ses notes demain, bravo. Après un tel tonné. Voilà, c'était même du sale con. Non, non, sort pas trop, sort pas trop. C'est bon, voilà, on tombe. Je perds le contrôle du véhicule qui est vachement instable, qui arrête pas de sauter comme une bombe, pas une bombe, une balle à quelque chose. Septième, pas mal. Je me suis défendu, c'est classe. Surtout sur une longue étape. Eh bah, c'est bien. Oh, j'ai deux portions en vert. La 1 et la 4. Je suis en forme ce matin. Alors, déjà le... Voilà, le titre. Vous puissiez voir défiler le titre. Légèrement changer ma disposition. Voilà. Au niveau de l'écran secondaire, je vois plus d'infos en train de diffuser. Alors, oula. Je remonte le chat pour vous lire. Ah oui, je m'étais arrêté au tigre rouge. Alors, le coup du FFX machin truc mûche, c'est encore un compte fantôme. Mais comme j'ai programmé ma commande pour qu'il prenne au pif un spectateur présent, ça donne un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Oui, tu t'es laissé distraire. Ah, t'as toujours le même pépin d'interface SDR. Ah, les messages d'Olive, tu les vois dans le chat. Je sais pas pourquoi, ouais. Ouais, ou je sais pas, tu fais usage du, tu sais, d'une version de navigateur qui est pas débuggée par Twitch, qui est pas pris en compte par les équipes, et il y a peut-être des bugs spécifiques à ta version de navigateur, ça peut arriver. Oui, wow, ça perturbe pas tant que ça ton expérience Twitch. Non, par contre, moi je suis emmerdé. Je sais plus si je vous l'avais dit à vous, mais j'en avais parlé sur la chaîne de Cadeau Anthony. Oh, un saumon rose de 2 kg. Saumon rose à bosse. Un petit saumon. Non, mais sois pas désolé. C'est là pour ça, Olivier. T'as bien raison de jouer. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Chez Cadeau Anthony, j'avais dit que j'avais eu un bug magnifique. J'avais dit chez Air Roster aussi. J'avais eu un bug magnifique qui n'est plus d'actualité à ma grande tristesse. Pendant presque 2 mois, en étant sous OpenSUSE pour le système d'exploitation Linux, et j'utilise Firefox, je crois, sous Linux pour le navigateur. Pendant 2 mois, j'avais les pubs qui ne fonctionnaient pas. Donc ça se lançait 3 secondes, juste le son. Mais ça interrompait pas ce que je regardais. Et en fait, je pouvais regarder toutes les chaînes Twitch comme si j'y étais abonné. Ce qui était très agréable. Et manque de bol, il y a une mise à jour. Il y a depuis cette semaine, en fait, je me recoltine mes pubs. Dommage. C'était un bug très agréable. Ce sont des choses qui arrivent. Les aléas de l'informatique. Ah là, c'était un bug à mon avantage.
tiens, ça fait longtemps. C'est ça, rythme bug. Oui, il y a des bugs. Il y a des bugs qui sont à votre avantage. Bah, souvenez-vous, enfin surtout toi SDR, quand je t'avais raconté le coup du PMU, le gars qui avait rempli sa grille sur Minitel, qui avait appuyé sur supprimer au lieu de valider entrée, et qui avait remporté le gros lot. Et qu'il avait eu gain de cause au tribunal, parce qu'en fait, la faute revenait au développeur du PMU. Ça, c'est un bug cool. Mais l'anecdote-là, elle date des années 90. Non, ce qui est terrible, dans l'histoire de l'informatique, ce qui est horrible, c'est quand des bugs occasionnent des morts. Ça, c'est déjà arrivé. Il y a eu, je crois que c'est dans les années 2000, en Scandinavie, je me demande si c'était pas en Finlande, ils avaient essayé d'expérimenter la gestion des urgences, donc le déplacement des ambulances, dans peut-être à Helsinki, ou je ne sais plus quelle grande ville, en Scandinavie. Et le logiciel en fait n'était pas au point. Et le problème c'est qu'il y a eu des morts. Quand ils l'ont expérimenté, alors à peine une journée, vu le carnage, c'est-à-dire qu'on va dire sur 10 ambulances qu'ils avaient de dispo, il y en avait 9 qui allaient sur un accident, la 10e sur un deuxième accident, et les accidents 3 et 4 n'étaient pas gérés. Donc ils ont très vite prévisé leur copie, mais le pépin c'est qu'entre temps il y a eu des victimes. Je culpabilise car je ne prends plus autant de temps à aller sur les screens dentaux et aéro. Culpabilise pas, Olive, t'as des obligations dans ta vie privée, voilà, faut gérer le plus important. Ce qui est frustrant aussi, je le devine pour toi, moi ça m'arrive aussi, c'est de ne pas pouvoir consacrer du temps aux copains en ligne et de consacrer du temps à moi. Mais il faut savoir se consacrer du temps à soi. Hein. Tombe pas dans le piège, Olive, où tu donnes trop aux autres, tu détruis toi-même. Si je te dis. Oui, c'est vraiment des garçons bien. Que ce soit Anthony ou un roster. Ils sont vraiment adorables. C'est deux crèmes, ces garçons-là. J'aime beaucoup la musique. Oui, c'est bien, il le faut au livre, c'est important. C'est important. Moi, ce qui me soulage, c'est de me dire qu'on va revenir dans la belle saison. Là, d'ici un mois, j'ose pas dire qu'on pourra couper le chauffage, mais presque. C'est tout bénef pour toi, Olive, je le sais bien. Donc ça devrait être réalisé. Après, j'espère qu'on va pas tomber dans l'autre extrême durant l'été, c'est-à-dire d'avoir le bonjour des villes live. J'espère qu'on va pas tomber dans l'extrême de la canicule et de manquer d'air. Alors ça, c'est horrible. Quand il n'y a plus d'oxygène et que tu souffoques à 35 degrés, ça n'est pas la peine. Je déteste ça. Et ça me met vraiment mal, moi. Non, on n'est pas bien là, tranquillou, pénère, pépouze, un dimanche matin. Oh, Gouillou, à quel point que je me rassois. Tout bien comme il faut. Une patoune, en guise d'oreiller. C'est confortable, hein, je vous le dis. C'est le grand luxe. Ouais, pépère.
pourrais peut-être avancer mon attirail, moi. Alors, il n'empêche que j'aime bien défoncer mes points de chaîne pour coller un pain virtuel à Anto. Moi aussi, ça m'amuse. Ça, il y a l'ami Gimbal. Gimbal, on peut le fouetter. Il y a une forme de sadisme que je ne saurais justifier. Il y a quelque chose d'exutoire. Mais j'aime bien aussi, j'avoue. Attendez, j'essaye de recadrer mon bazar. Voilà, là vous me voyez en plus proche. Le son aussi, le micro est plus proche au niveau de la perche. Oh mon dieu, ça me ferait bizarre d'être propriétaire d'une Porsche. J'aime bien, hein, mais... Enfin bref. C'est un beau jour détonnant. Autant de marques d'affection. Aïe aïe aïe. Oui, au secours. Ah là là. Ah oui. Élocution. Pour bien articuler. C'est beau. J'aime bien les petits détails dans le décor là. On voyait des vignes. Oh là là, le gadin. Oh. Avec le. Ce qui était probablement encore une église ou un. Encore qu'on est en Grèce. Ah si, il y a beaucoup d'églises en Grèce. Si, si, c'était sûrement une église. Bah oui, je suis reparti parce que j'ai eu la chance de retomber sur mes 4 roues. Ce qui n'était pas gagné. Mais je me suis fait avoir quand même, quoi. J'ai freiné en buté contre une bosse et voilà, bah, ça fait tremblant. Ah, ça pardonne pas. Hein. Bah, pour le coup, la séquence ira dans la compile d'équipe. Je passe ça dans la semaine parce que là, le gadin était joli. Panèche. Ouais, sympa. Oh là là, à 2 centièmes près, je perdais ma 7e place. Ah, j'ai décroché d'une place, moi. La vache. Il y a Carlos Sainz qui m'a largement rattrapé. Ouais, sympa. Mais je suis en bonne forme aujourd'hui. Donc à mon avis, cet après-midi, je vais vous refaire un essai à chaud, vous savez, du GGN, là. Le jeu avec Chirac. Je vais essayer de passer devant vous une nouvelle fois le tuto. Il faut que je me relance parce que c'est un coup à ce que j'oublie et ce que j'avais déjà appris lors de mon premier essai. Au 1er janvier en fait, ça date déjà. Ça date déjà de 6 semaines. Le temps passe très vite. Ouais ouais, ce sera cet après-midi. Je ferai ça après le direct de FunFan. Je veux bien repartir avec un tonneau, même si c'est trop lourd à porter. Et tu sais, quand tu dis ça, Olive, j'ai l'image du Saint-Bernard avec le petit tonneau clic, sous le cou. Allez, concentration.
Merde, j'ai mal lu la cuisse. Oh, c'est beau. Merdoum! Oh, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Il y a un effet balle rebondissante en caoutchouc. C'est très désagréable. Il y avait trop de force en jeu. L'effet toboggan est terrible. Évidemment, j'ai ça avec une vallée encaissée, j'aurais l'impression de faire du bobsleigh. Merde, je suis trompé de direction, mais ça va pas. Je suis fou, moi. Oula, 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 oula. Le freinage s'est très mal passé. Je suis bon dernier. Damage. Damage, damage. Alors. Oula. Ah. Oh, il est bon tonneau. Alors, vaut mieux repartir avec un tonneau que repartir avec. Ah oui, après un tonneau que repartir avec un tonneau. C'est indicateur. Alors en plus, j'en ai un au fond de mon jardin, un tonneau vide, et il a longtemps servi de ruche de fortune pour des abeilles. Ah ouais, malheureusement décimé par une belette qui squatte chez moi. Tiens, tiens. D'accord. Ouais, elle me gênait pas ces abeilles en plus. Oui, en plus c'est précieux hein, le contact des abeilles. Il fallait vraiment les préserver. En plus, je veux dire que tant que je ne m'approchais pas trop du tonneau, était tout près de mon stock de bois. Elles faisaient leur vie sans se soucier de ma présence. Ouais, bah ouais. Oui, c'est la nature. Ouais, bah oui, bah c'est la belette qui a. Ah là là. Alors, SDR, tu rigoles avec l'araignée vase-noire, mais ça, c'est les effets pervers de la mondialisation. J'ai appris que les veuves noires, donc je vous rappelle, c'est une araignée qui est mortelle, pour l'homme, en gros. Elle s'est acclimatée et elle est devenue courante dans la baie de Tokyo,
dans les containers sur le port. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Et... alors, je ne sais pas si les Japonais sont parvenus à éradiquer la... l'espèce sur le port de Tokyo, mais il y a encore quelques années, c'était un vrai problème. Je pense qu'en s'organisant bien et en désinfectant bien tous les containers, ils peuvent arriver à décimer l'espèce sur place, parce que la veuve noire n'a rien à faire au Japon. Mais ça, c'est les effets pervers de la mondialisation. Ouais. Et même nous, en France, on était tranquille dans les années avant les années 2000. Et avec le réchauffement climatique et la mondialisation, il y a des espèces d'araignées qui s'acclimatent en France, surtout dans le sud de la France, qui sont dangereuses. Donc la veuve noire, je crois pas. Par contre, l'araignée violoniste, c'est... alors je ne pourrais pas vous dire son nom scientifique. Mais elle est appelée comme ça parce que vu du dessus, au niveau de son abdomen, on dirait, on croit voir un violon en fait. Et son venin est tellement puissant et concentré. Il y a un malheureux dans le sud, il y a quelques années, dans le sud de la France, qui a dû se faire amputer du bras parce qu'il s'est fait mordre en pleine sieste par l'araignée violoniste. Et comme le venin est très puissant, bah, ses muscles, ses chairs ont été liquéfiés. Donc il a dû souffrir le martyr de se sentir fondre, mais l'horreur quoi. Mais c'est parce que il fait de plus en plus chaud, donc voilà, les espèces elles migrent et on finit par être exposé à des dangers auxquels on n'était pas. Et je me souviens j'avais été marqué par évidemment je ne peux que recommander l'émission avec Jeannie Gourmaud là, qui a fait dans sa jeunesse, qui était C'est pas sorcier, avec le camion là, le camion blanc, le générique. Jeannie Gourmaud, il avait fait un épisode sur très intéressant sur les araignées. Et il avait interviewé une chercheuse du CNRS, donc une scientifique française, qui est spécialiste des araignées. Et elle avait expliqué qu'une fois elle avait fait l'erreur de sa vie. En bossant, en manipulant les arachnides, elle a mal manipulé une mygale qui n'était pas rendue inoffensive. Parce qu'on peut lui retirer les crochets par opération pour qu'elle morde plus la mygale. Et c'est ça qui fait mal. Et elle s'est fait mordre. Et elle avait témoigné par deux fois que c'est la pire douleur qu'elle a ressentie de sa vie. Elle a eu plusieurs accidents, elle faisait faire comprendre qu'elle s'était déjà pété un bras ou je sais plus quoi. Là encore ça allait, se faire mordre par une mygale, tu révises la signification du mot douleur. Et pendant un bon bout de temps, puisque ça te brûle des chairs, c'est une horreur. Mais c'est la créature qui se défend quoi. Non, ça déconne zéro. Mais il y a plusieurs centaines d'espèces d'araignées dans le monde. Je me demande même s'il n'y en a pas près d'un millier. Il y a tellement de... j'allais dire de modèles. D'apparence d'araignées, c'est dingue. Et je crois que d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule espèce qui est dite sociable, qui travaille en collaboration avec ses semblables. Je sais plus c'est laquelle. C'est vraiment l'exception de toute espèce. Étape de nuit.
Ouais, je suis arrivé trop vite. Oula. Tu me gratifies d'un pavé, Olivier. Enfin, je te lirai après, évidemment. J'ai le plaisir de te lire de vive voix. Alors là, il faut que je me coltine l'épreuve de nuit, qui n'est pas évident. Merde, oh, elle n'a pas tourné comme je voulais, c'est pénible. Oula, 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 oula. J'ai failli sortir du décor. Enfin, sortir dans le décor, pardon. Oh non! Oh la faute! Oula, oula, oula. Je vais pochasser l'arrière-frein de la voiture. Ah, je suis pas dernier. Ça fait plaisir. Wouh! Alors, attends, je vais surtout lire Olive. Alors, il y a une plante dont j'ai oublié le nom, endémique en Australie, qui veut littéralement la mort, toute espèce confondue. La douleur est tellement inhumaine qu'elle pousse les personnes touchées par cette plante à mettre fin à leur jour. Et non, c'est pas une blague, je déconne pas. Une plante? Ah, j'en ai pas entendu parler. Tiens, tiens. Ouais, un végétal qui est mortel, quoi, il faut pas le toucher. A plus, SDR. Bon repos, bonne journée. A plus tard dans la journée. Merci à toi d'avoir été là ce matin. Merci tout plein. Là, tu m'étonnes. T'as la plante terrible. Ah, c'est le Gimpy Gimpy. Je connais pas du tout. Faudra que je regarde. Merci pour l'info, Olive. Gimpy, Gimpy. Ah, je dis pas du tout. Attends, du coup, je me... Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Ah ouais. Tu m'étonnes que ça démange. Parce que le nom scientifique de la Gimpy Gimpy, c'est ça. Attendez, je vous copie-colle. Je voudrais pas dire, mais ça fait référence quasiment aux hémorroïdes. C'est terrible, hémorroïdes. Waouh.
Ah, je connaissais pas. Ah ouais, Australie, des zones fluviales, des Moluques et d'Indonésie. Des poils très urticants. Ah ouais, toxine puissante. Oh la vache. Ah ouais, en fait, c'est plein de petites ampoules de silice à la surface de la plante. Et c'est ça qui provoque la brûlure douloureuse. Ah, la brûlure peut durer des années. Ah ouais, elle est surnommée plante au suicide. La douleur est telle qu'effectivement un homme s'est suicidé. Oh, quelle horreur! Elle tue aussi des chiens et des chevaux. Même les scientifiques qui ont essayé de décomposer chimiquement la molécule, apparemment ils ont du mal à cerner le caractère volure, j'ai envie de dire intemporel, de la substance. Ah ouais, ah bah tu m'as appris un truc, enfin tu nous as appris un truc, punaise. Merci pour l'info. Ah ouais, non mais la plante est redoutable. Wow. Ok. Là, c'est plus posé. Ah, c'est un autre artiste qu'on écoute. C'est un peu plus techno, là. Hades Vapor, que j'ai découvert cette semaine. Excellent, vous allez l'entendre. Là, c'est ambiance discothèque, là. Ça pulse. Ouais, c'est du bon son. Allez, moi, faut que je me concentre. Hades Vapor. Caution, I'm sorry, 17 caution, or jump maybe into point 2 and wave
Bon, je suis pas dernier, mais j'ai fini dans le sapin, là. N'importe quoi. Ouh, c'est sport. Ah bah bon courage pour tes œuvres, Liv. Liv qui tue. Bon, tu es une scène, tu fais bien ton discret. Comment on va? Ça, le front à fond, genre allez-y. Là, je me souviens du sketch des guignols de l'info. Oh, bah, quand j'entends les graviers à droite, je tourne à gauche et vice-versa. Ah, il l'avait pas loupé à l'époque. C'est bien, c'est cool. Oh, bah, moi, je suis en grande forme, merci. J'ai encore poncé 10 heures cette nuit, donc je vais pas me plaindre. J'avais à récupérer de l'énergie et ça se passe très bien. Merci. Mais la musique, elle est extra. C'est de la musique libre, mais franchement, je pense qu'il y a des vrais producteurs derrière, des vrais artistes, mais qui n'assument pas certaines œuvres, j'ai l'impression, ou qui ont fait des choix par rapport à leur album publié sous leur vrai nom. Alors, je suis pas dans le secret, mais c'est une théorie que j'aimais. Et je pense qu'il doit y avoir des vrais artistes, des vrais producteurs derrière ces œuvres-là, mais qui délaisse en fait, qui balance dans le monde libre en fait, et qui veulent pas faire fructifier quoi, sous un autre pseudo je pense hein, parce que franchement la qualité est exceptionnelle. Là ce qu'on entend, ça mériterait de sortir dans le commerce. Enfin c'est peut-être le cas de quelques-uns, mais pour ce qui est de laisser des œuvres dans le monde du libre alors que ça peut très bien être sous leur vrai nom d'artiste dans le commerce. Extra. Franchement, c'est extra. Oh, l'arrivée dans le sapin. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Pas encore une heure. Excellent, le Dark Side. Ouais, c'est de l'époque des guignols de l'info. Ah, poupon. Yeah.
Oh la faute. L'entrée de jouer. J'ai eu peur de mon freinage. Mon freinage, j'ai failli taper. N'importe quoi, mauvais coup de volant, virtuellement parlant. J'ai dû faire un contre-braquage pour relancer le dérapage et j'ai complètement merdé. Je me suis retrouvé vraiment en trajectoire. Dommage. Ah ouais, c'est bien, je suis pas dernier. Oh la cocotte! Trop bien la cocotte à la VLC là, des cônes de travaux. Ah c'est rigolo. Eh bien, vous savez, ça fait beau. Je vais regarder le six-bore plot. Eh bien, c'est rigolo. Première fois que je le vois.
Ouais, les pistes en terre, ouais, ouais. La mélange terre-boue, ouais. Oh, y a tout. Ouais. Bon, là, c'est du sec, gravier, poussière. Oh, Brême commune. Bien, Olivier. Oh, et je tourne en rond. Oh, c'est méchant pour ton campagne. Aïe, aïe, aïe. Ah. Oui, allez-y, c'était gravier, mais le sage, c'est à fond, plus l'arbre. Il y a un peu de ça, je le confesse. Je le confesse. Mais Jean, allez-y, qu'on va retrouver devant les tribunaux, là, avec son ânerie de différents familiales. Quand il a déposé à Noël dernier un explosif sur la façade de l'entreprise, enfin le bureau de son beau-frère. Il est passé de la rubrique sport à la rubrique fait divers. Même rubrique justice, on peut dire. Ah là là là. Ouais, ouais, ouais. Oui, on peut le dire. Non, non, là, il a pas été une lumière. En plus, il a embarqué son fiston Giuliano dans l'histoire. Donc, ils vont comparaître tous les deux. Bref, c'est vraiment d'un stupide. Parce que du coup, il y a deux chefs d'accusation contre lui. Possession d'explosifs illégal, c'est-à-dire qu'il n'était pas censé avoir ce qu'il avait en main. Et destruction du bien d'autrui par explosif. Donc il va au moins écoper d'une forte amende. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne passe pas par la case prison. Évidemment, je ne connais pas, je suis pas son avocat, je ne connais pas ses antécédents judiciaires s'il en a. Mais c'est vraiment stupide. Ça ne me pas. D'ailleurs, c'est simple, j'en pense au coup de Jean Allez-y. Là. Vous tapez dans votre moteur de recherche Jean Allez-y explosif dans la rubrique actualité de fin 2021 et vous retrouvez l'article de presse. Au moins, vous connaissez le fin mot de l'affaire. Ah, il faudrait que je vous trouve d'autres artistes dans les semaines à venir. Parce qu'il y a vraiment des découvertes extraordinaires. J'aime bien le. C'est extra. Bon bah bon courage pour les tâches ménagères et autres, enfin l'ensemble de tes œuvres, coucou. Merci d'être passé. Puis à bientôt sur ta chaîne. Faudra que je revienne te voir là. Ces derniers soirs j'étais crevé ou occupé. Mais comme tu diffuses le soir, en semaine, faudra que je revienne te voir. En ce moment, t'es sur Long Dark. A plus, Poupon. Merci d'être venu. Bisous tout plein. Ça fait ambiance piano bar. Qu'est-ce que je vous sers? Le serveur avec une pâte. Ah, tu avais vu Jean Lézy au circuit Paul Ricard repartir dans sa Ferrari il y a très longtemps. Eh ouais. Bah, à l'époque où il était en Formule 1, en fait, Jean Lézy, il avait raconté qu'il avait eu des ennuis au Japon. Parce qu'en fait, il y a un vigile. Qui contrôle les accès au circuit. Ah pardon, présentation.
Afrique, Kenya. Ouais, les boules, les animaux qui traversent la piste, les chocottes. Oh, je commençais dans le brouillard, en Afrique. Eh ben. Jean Alesi au Japon, quand il était encore pilote de Formule 1 pour Ferrari. Il y a donc le vigile japonais qui avait un peu du mal avec la prononciation à la française de Jean Alesi. Il n'avait pas compris quand il avait décliné son identité, le vigile. I am Jean Alesi. Lui, il avait compris I am journaliste. Or, les journalistes n'avaient pas accès, évidemment, comment on appelle ça, au paddock. Mince, comme on dit en bon français. Aux hospitalités réservées aux pilotes. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et il a dû plusieurs fois répéter Jean Alesi, alors que l'autre comprenait journaliste. Voilà pour l'anecdote. On parlait de la boue avec Poupon là, j'en parlais. Là, la boue. Je l'ai vu au dernier moment. Bon, fallait pas couper. Il est bien placé celui-là, bordel de merde. Bon bah avec ça j'ai endommagé mon radiateur. Oh merde. En Afrique, ça le fait pas. Ah la faute! Aïe 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 aïe. Caution is 0.3.
Ah, pas mal, 6e. Généralement en Afrique, j'arrive à me défendre. Ah, la dernière portion, j'ai le record. Oh là là, en caméra embarquée, c'est horrible. Moi j'espère que c'est le chrono que je vais pulvériser. On est déjà pulvérisé, c'est Nihalou. Nous sommes à Nihalou au Kenya. Oh, j'ai cru voir un monsieur avoir une belle chemise dans le public. Thank you.
Oh là. Oh là là. Oh merde, Doom. Bah alors. Oh là là, la catastrophe. Je m'encastre dans le pont. En poisson, bravo. C'est bien, j'ai le deuxième secteur en vert. J'ai fait le meilleur chrono, c'est classe. Alors, qu'est-ce que je vois sur le panneau, moi ? J'ai astucieusement contourné un rocher au bord de la route. Thank you.
que c'est ouvert. Évidemment, je suis pas d'accord avec le Bob Job. C'est trop encaissé pour toi. Merde, Oum! J'ai déstabilisé la bagnole en allant dans le. Dans le contrebas là. Dans le fossé pour la chercher le nom. Heureusement que le buisson n'était point à rocher, sinon ça aurait tapé. Wow, je suis deuxième! Yeah! Je suis sur le podium de cette longue étape, ça fait très plaisir. Bien! Deuxième et quatrième portion, c'est moi qui ai fait le meilleur chrono. La classe! Alors, ah, c'est une scène. Ah non, une scène a d'abord perdu à la pêche. Il a ensuite gagné le nombre pygmé. Alors, tu peux pas normalement attribuer de la monnaie de chaîne quand t'as une bonne prise à la pêche. Non, ça pourrait pas marcher. En fait, j'ai déjà fait des tests précédemment. Je pensais faire une commande imbriquée pour dire s'il détecte qu'il y a telle chaîne de caractère. Il pourrait. Mais de toute façon, ceux qui auraient compris, ils pourraient s'attribuer gratos des bergères en le privant. Mais ça va pas. Mais on peut pas le faire, Twinsen. On peut pas le faire. C'est juste pour l'honneur, voilà, pour le plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais poser une question au livre qui tue. Enfin, si t'as le temps de répondre, sinon c'est pas grave. Mais je voulais prendre des nouvelles de ton félin de salon. Comment va Minette? On rappelle encore l'époque où elle se léchait l'arrière-train, là, qu'elle avait un souci. Donc elle devait passer par la case béton. Comment qu'elle va, Minette? Bon, prends le temps de répondre si tu le souhaites, quand tu le voudras. Hein. Je suis pas là pour t'enquiquiner, Olivier. Je reste encore sur mon antenne, encore une grosse heure. Je reste jusqu'à 13h. Je suis en train de me télécharger au format PDF la fiche Wikipédia du végétal mortel. Enfin, qui génère, c'est dingue, qui arrive à générer de la silice. Je savais même pas qu'un végétal pouvait générer de la silice. C'est dingue. Ah, la nature est surprenante.
merci pour cette bonne réponse. Attends, là, j'ai plaisir à tout. Alors, Minette va bien. Elle, justement... Ah, elle a du mal à faire, justement, faire sa tête intime. Car elle est en surpoids. Oh ouais. Malgré des croquettes light, enfin légères, prescrites par la veto, et des doses de croquettes journalières drastiquement respectées. Elle perd pas beaucoup de masse graisseuse et donc, je vais la ramener chez le veto en mars ou en avril pour lui faire un bilan, ainsi qu'un rasage de ses nœuds, car elle a un pelage vraiment compliqué à entretenir. Ah ouais, merci pour les infos, Olive. Bon, si Minette se sent bien, c'est l'essentiel. Mais gérer le surpoids, ouais, c'est terrible. J'avais choisi le modèle coréen, la Hyundai, parce que je trouvais qu'en la testant, elle avait une très bonne adhérence. Elle collait bien à la route. Elle avait du répondant. Alors que j'avais essayé les modèles célèbres de 4x4 que sont la Subaru Impreza et la Mitsubishi Lancer, deux modèles Nippon qui plus est. Alors certes, elles sont plus puissantes, mais elles sont plus lourdes et de facto plus difficiles à maîtriser en fait. Oui, elle est déjà assez costaud de nature, mais au lieu de 0,5, t'as peut-être voulu dire 50 kg, je pense. De poids de forme, elle devrait en avoir, en fait, elle en a un de trop. Ah oui, non, elle fait 5 kg, d'accord, elle en fait un de trop, elle devrait en faire 4. D'accord. Oui, effectivement, oui. Entre 4 kg et 5 kg, pour un animal, c'est beaucoup. Oui. Oh, du beau temps. C'est bien quand il y a du beau temps. Allez, Zouf. Afrique, adieu, belle Afrique. Oh, cette borne, ouais, ça va. Oserais-je dire une petite étape? Non, il y a plus petit, il y a plus court. Une étape moyenne, conventionnelle. Mailitissa, à l'envers. C'est pour ça qu'il y a le R majuscule. Au reverse. Ah, d'accord. Elle devrait faire 5 kilos, mais en fait, elle en fait 6. D'accord. Et je pense à un truc tout bête pour Minette en fait. Il faut faire gaffe, hein. Évidemment les chats sont très malins. Ça se demander si, sans que tu le saches, Olive, elle se fait nourrir par le voisinage ou par quelqu'un qui l'aurait repéré et qui croit bien faire en lui donnant des restes de bouffe ou ses propres croquettes alors que tu ne le sais même pas. Et peut-être que Minette sait qu'elle peut se faire ravitailler à tel endroit à telle heure. Si elle est assez régulière dans ses promenades en extérieur. Hein. Je sais que tu es en pleine cambo, ce livre, mais bon, ça n'empêche pas. Hein.
un félin comme un chat peut faire des kilomètres en à peine 2-3 heures. Ah non, elle sort jamais. D'accord. Bon, bah pour le coup, si elle est vraiment sédentaire, ça exclut cette possible problématique. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Mais moi, je suis dans un quartier à chats. C'est-à-dire qu'ils s'y sentent bien. Il y a pas mal de chats qui abandonnent pendant plusieurs semaines, je ne pensais pas des mois, à leur maître. En fait, c'est pour retrouver leur semblable félin et aussi lors de la période de reproduction en été. Donc souvent, je vois des avis de recherche pour le chat d'un tel ou d'un tel. Et je sais que c'est des chats que j'ai déjà aperçus brièvement dans mon quartier. Et c'est parce qu'ils se retrouvent là, en fait, par rapport à toute la ville. C'est le repère des chats. Et ils se retrouvent entre semblables et félins, quoi. J'adore ça, l'effet de profondeur, je trouve ça extra. On ne peut que se laisser happer par le paysage. Oh, je suis que 13ème là, tiens. J'ai envie de dire contre-performance, vu que je suis plutôt à l'aise en Afrique. Tiens. Bon bah bon appétit si vous passez à table, hein. Il est bientôt midi. Oui, c'est un gros bébé, ma minette. Ouais. Voilà, reste de couscous et vérifie ton feu de chauffage dans ça. T'as bien raison, on y va. Moi, je vais changer mon programme. Je pensais manger ce midi mon deuxième plateau de légumes, mais finalement, je n'ai pas envie. Je mangerai ça plutôt demain. Je vais plutôt me faire une salade classique. Et puis, je vais peut-être déguster sur... tranche de pain complet, j'ai pas de casson le dimanche. Du tarama, je sais jamais si c'est du tarama ou tamara. Enfin, bref, les œufs de cabillaud là, j'aime bien en crème. Ça me suffit, en plus j'ai pas trop faim. J'ai pas l'appétit vorace d'hier. Enfin, il est à peine midi, mais moi j'en ai l'antenne à 13h.
j'aime bien le titre aussi, celui-là. Tahiti dans les années 60. Ah, nous sommes à Orien. Ah, j'avais même pas vu que c'était un rocher, dis donc. Habituellement, et là je fais vraiment de la contre-performance. Ouais, non, là je suis lamentablement bon dernier. Contre-performance, dommage. Ah, we'll be right back.
ceux que ça intéresse, je reprends brièvement mes liens. Pour ceux qui veulent éventuellement rejoindre sur Discord, la chaîne YouTube, m'écrire par mail aussi. Alors, j'ai pris le risque de lancer Discord alors que je diffuse. Mais j'ai toujours peur d'un plantage en trop à mon ordi. Et effectivement, TwinSend m'avait notifié un message privé que j'avais oublié de mettre à jour mon tableau mystère dans Discord. Chose que je viens de corriger à l'instant. Pardon. Et tu as pêché une vandoise. Bien, Olive. Et bon couscous à toi, parce qu'à mon avis, là, tu vas pas tarder à le savourer, le temps de le réchauffer ton plat. On change de pays, là, normalement. On va quitter la Grèce. Ah non, pardon. La Grèce. L'Afrique. La Grèce, c'était avant. Oh, de la flotte pour la dernière étape, dis donc. Tiens, tiens. Ça. Stabiliser quand il commence à chasser du coup, il est terrible. Et c'est pourtant une bonne voiture, une bonne voiture. J'ai vu trop large là. Faut pas abuser. Thank you.
le mauvais freinage. Oh là. Ça va. 11e, j'ai essayé de me défendre. Petit aparté. Je ne peux pas poster mes rediffusions du stream sur YouTube, mais je peux poster mes clips et de courts extraits. Donc du coup, j'ai posté des courts extraits sans coup de tête. Ouais, c'est un moindre mal. Mais c'est vrai que je m'étais pas penché sur le cas pratique d'un point de vue technique. Trouver le moyen que tu puisses avoir un intermédiaire qui puisse déposer sur YouTube tes longues vidéos du fait que tes contraintes au bas débit. En fait, il faudrait ce qu'on appelle un relais tampon en bon français en termes techniques. En anglais, on dirait proxy serveur, mais pas pour l'accès internet, mais pour le dépôt de fichiers sur. Mais j'avais pas trouvé la parade de l'histoire de bas débit de grosses vidéos à déposer. Oui, pardon, c'est parce que je parle pas assez fort. Je parle dans mes moustaches, c'est ma faute, c'est impoli, pardon, excusez-moi. Que j'ai toujours pas solution à ton problème technique, les grosses vidéos avec ton bas débit. Mais je baragouinais technique dans ma moustache. Là, dans l'immédiat, j'ai pas creusé la question. Ça me reviendra, hein, Olivier. Mais j'ai toujours pas de solution pour ton pépin là. Mais c'est bien que t'aies déjà fait ça. C'est mieux que rien. Faudra que j'aille voir tes clips. Oh, t'as des coups de colère par moments qui sont amusants. Moi, je repense à la gamine dans Skyrim, la vendeuse de fruits et légumes. Enfin, pour ce qui est du plus récent. Qui m'avait bien fait rigoler. Thank you.
c'est Ninette la star. Ah, c'était bien le coup où tu venais d'atterrir dans, je sais plus, là, le simulateur spatial. Au moment où tu ouvres la capsule, la caméra, c'est Ninette qui saute de sa position du canapé. Ah, c'était trop drôle. Cette synchro d'un pur hasard, c'était trop drôle. Semblant de piquer un phare. Oui, merci de ta remarque, Twinsen. J'ai allumé rapidement mon Discord. Effectivement, tu as bien fait de me le rappeler. J'avais pas mis à jour mon tableau mystère dans le Discord. Ça a été fait, là. Je l'ai corrigé il y a quelques minutes. Merci à toi. Mais ça, c'est la fatigue. Hier, j'étais éteint en fin de journée. Ah, c'est ton clip favori. Ah ouais. Minette qui débarque sur une nouvelle planète. Alors, la dernière étape se passe sous la pluie, normalement. Oh non, mais non, ne t'en fais pas, Olive. Oh là là. Alors, 7 km, ouais, je mémorise des infos. T'en fais pas. Moi, au contraire de beaucoup de monde sur Steam, je suis pour mettre en lumière tout le monde et que tout le monde parle de sa propre cuisine, de sa propre chaîne. Moi, je suis totalement pour. Moi, je suis pour cet échange-là. Mais en même temps, je comprends parfaitement ceux qui veulent tous accaparer pour eux et qui n'aiment pas qu'on parle des autres. Mais moi, non, c'est... T'en fais pas pour ça, Olive. Au contraire, je suis content que tu me parles de tes productions, de tes projets, de tes œuvres. J'aime beaucoup échanger là-dessus. Là, t'as largement mon feu vert. Ne t'en fous pas. Comme vache qui pisse. Là, il y a un petit effet pâteux au niveau de la chaussée. C'est bien fait. Ouh, le freinage répond plus du tout. Je patauge là, j'ai du mal à relancer la voiture. La motricité est pas la même. Oh, c'est vraiment bien conçu, on s'y croirait. Thank you.
Hop, 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 hop. J'ai failli partir en tonneau là. La trajectoire est mauvaise. Parle pour prendre la corde, bien joué. Deuxième. C'est bien, je suis sur le podium. J'ai le secteur 1 et 5, dont je suis le meilleur. Le début et la fin, c'est bon. Oh bonjour Fun. Pardon, j'avais pas vu ton arrivée Fun. J'espère que tu vas bien, que t'as bien dormi. Ça y est, t'as récupéré toute ton énergie. Alors, Olive Critu qui nous dit perso, j'aime bien partager ce que je fais, mais aussi les œuvres des autres, j'aime quand les gens découvrent des trucs cool. Oui bah c'est bien, t'as le même état d'esprit que moi. Oui, y'a pas de soucis, n'hésite pas à échanger Olive. Je suis pour moi. Attendez, je vais me rasseoir différemment, je commence à avoir un peu mal au dos. Je suis en train de crouler en fait, de me mouler dans mon siège. C'est pas forcément une bonne chose pour le dos. Un peu de fermeté au niveau des lombaires, c'est bien. Alors, comment qui va, Fun Fan? Est-ce qu'il a bien dormi, l'ami Fun Fan? Est-ce que le catch était bien hier? Bon, les Émirats Arabes Unis. Ah, on veut tout savoir. Ah, je pense que pour ce qui est du catch, t'en parleras plus spontanément sur ton antenne dans quelques minutes. On se prendra l'antenne vers 13h. Mais déjà, comment vas-tu, Fun Fan? Ah, t'es déjà plus en forme qu'hier. Bah oui, une bonne nuit. Hein. C'est bien. C'est cool. Moi aussi, j'ai la pêche. J'ai dormi au moins 10 heures. Je me suis couché tôt hier. Je me suis couché à 21h. Je me suis coulé au lit. Et je me suis levé à 8h30. Donc j'ai vraiment beaucoup dormi. Oui, bon dessert, Olive. Oh, 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 oh. Exclu à parler que chez Bastos. Yeah. La dernière fois, il m'a dit qu'il lance son stream à 17h. Ah, oui, d'accord, il lance son direct à 17h aujourd'hui et tu devras dire tes impressions. D'accord. Ok. Ouais, sur son antenne. Oui, mais vous avez bien raison. Il faudra que je fasse la pub à Bambastos tout à l'heure. Parce que quand je reprendrai l'antenne derrière toi, Fun Fan, moi, comme je suis en forme, je vais en profiter pour faire des essais, tu sais, le tuto du GGN, là, le jeu avec Chirac. Et en espérant que je déverrouille, que je débloque au-delà là, du tutoriel, la première mission, on avance. Je vais le faire maintenant, aujourd'hui, puisque je suis en forme, parce que sinon, dans l'agenda, je ne vais pas me relancer dedans avant 15 jours. Alors autant que je profite de l'opportunité de pouvoir jouer un dimanche après-midi pour le faire. Donc le temps de faire l'essai, vu l'horaire, ça ira pas. Je pourrais pas céder l'antenne à Bambastos. Donc je lui ferai un coup de pub avant qu'il prenne son antenne pour ceux qui souhaitent aller le voir et voir ton commentaire de catch. Mais moi, je te cacherai pas, je continuerai en même temps de mon côté le GIGN. Parce que sinon, j'avancerai jamais. Du Kenya.
Ah, le podium était quand même à presque à 20 secondes. Oh la vache. Dur. Eh ben, c'était sympa. Par contre, la prochaine étape après l'Afrique, je sais plus ce que c'est. À mon avis, on retourne en Europe. Mais où? On va le découvrir. Oh! Finlande. Finnish, its name translates to the Great Race, but in the language of WRC, the Rally of Finland means simply speed. This is the fastest gravel rally of them all. But the cars often take to the air thanks to the flowing bumps or yumps driven over at full speed. Finland is a country that breeds top-class rally drivers, so it's no wonder few outsiders ever win here. Brouillard et flotte. Ça va pas être évident. Alors, je me demande si c'est comme l'édition précédente, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des longs poteaux, des fils électriques qui font tout le long de la piste. C'était une particularité de la Finlande. Du moins, on l'avait vu dans le plus précédent, la saison précédente en fait, le WRC. Il y avait plein de pylônes électriques et téléphoniques en bois le long de la piste. Est-ce que la Finlande nous fait pareil cette année? Ah, apparemment non. Tiens, tiens. Lankama. Ce serait d'autres pistes. Ah, c'est intéressant. Le freinage catastrophique. La voie est là. Là, on s'est rétréci la voie. Je suis bien trop facilement dans l'air. L'hélicoptère qui trouve le tapis au poisson. Ah, j'ai la portion intermédiaire qui est... dont j'ai le record. Qui était en vert. Cool. Du coup, j'ai même pas regardé combien j'ai fait là. Mais c'était bien. Je suis content là que la Finlande, ce ne soit pas les mêmes pistes que l'année dernière. Parce que j'étais vraiment marqué par la succession de poteaux le long de la route là.
Et là, d'avoir un vrai bois, c'est rafraîchissant. C'est cool. Du coup, là, je suis enthousiaste à me lancer dans la suite de la Rallye de Finlande. Quand même, ouais, il y a une portion où on voit le câble, les poteaux courir. Mais c'est moins évident, c'est plus discret qu'on aurait pu se passer dans la fin. Mais là, au moment de piloter, j'ai même pas soupçonné leur présence. Donc, j'ai envie de dire que c'est mieux fait. Si je suis méchant, je dirais que c'est limite si ça faisait pas trop de course de tramway en fait. La saison précédente. À force de voir les lignes aériennes courir le long du parcours. Non, mais du coup, je suis vraiment curieux de voir les autres étapes. J'ai fini deuxième. Cool. Ouh, c'est long. 12 bornes et demie. Talvihainen. Et il pleut comme vache qui pisse. Ouh, ça va pas arranger les choses. Mais je préfère ça qu'une course de nuit.
concentration. C'est bête, mais la musique m'aide à me mettre en état de transe. La concentration, ça m'aide. J'ai gagné tout dans le vert. Il y avait beaucoup de lignes droites. Ça m'a réussi. Ce qu'il fallait faire. Là, je peux me la péter. Ah. Oh, je le guide pas sous Duke Nukem 3D Twinsen. Non, je le guide pas sous Duke Nukem 3D. Il a mis fan. Il se débrouille. Ah, j'aime bien Olive qui nous dit bon bah du coup je suis écouté le générique de Airwolf pour la peine. Ah. Idée. Oh mon dieu. Eh ouais. Troublé à la pêche par l'hélicoptère. Oh, tu m'as sûrement passé le lien Twinsen, mais si tu veux, c'est pas un épisode commenté, donc si tu veux, je suis pas censé guider Twinsen. Là, je te cache pas que durant le temps d'antenne de FanFan de 13h à 16h environ, je vais déjà me restaurer, prendre un peu de temps pour moi, donc je serai pas au micro. Ou du moins, ce sera pas pour aujourd'hui. Sachant que le week-end prochain, je ne diffuserai que le samedi matin parce que j'irai voir la famille le restant du week-end. Mais les infos que tu m'as données, je t'en remercie, tu me scènes, c'est pas perdu. Mais j'en ferai plus usage dans 15 jours, on va dire. De toute façon, il va le faire sur un laps de temps assez court. Quel 3D est une scène aujourd'hui comme fan, puisque il fait un mini mélo de plusieurs jours. Là. Je crois qu'en 3 heures il va faire 3 jours. Je sais plus ce qu'il avait annoncé, mais ben, on verra. Mais là, j'aurai pas le temps de placer ma voix et de parler du Pokémon à ce moment-là. Là. Surtout que je n'exclus pas de m'exercer à GIGN hors antenne avant de reprendre l'antenne.
parce qu'il est vraiment casse-noisette le jeu. Mais j'aimerais bien le faire, sauver Jacques Chirac. Ouais, toujours avec la touche majuscule enfoncée pour tout le temps. On était sur la version PlayStation en plus, comme fan. Mais je lirai les infos à l'occasion, t'inquiète pas, tu ne sais pas, c'est très bien. Mais ce sera pas ce week-end-ci. Donc, pour ceux qui aiment le sport et le catch cet après-midi, n'oubliez pas à 17h d'aller voir l'ami Bam Bastos qui va faire un spécial catch. Attendez, je vais lui faire de la pub. Voilà. Cet après-midi, pour ceux qui sont intéressés, à partir de 17h, allez chez Bam Bastos, du sport et du catch. Voilà, pour les passionnés, c'est une case à pas louper. Et moi, je vous le cache pas, au même moment, je resterai sur ma chaîne pour faire le GIGN là, avec Jacques Chirac à ce jeu. Enfin, on verra pas Jacques Chirac aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite. Mais si je pouvais me dépêtrer de ce fichu tutoriel et enfin accéder à la mission 1. Voyez, voyez, vous savez tout. Et oui, il est mouru. Notre regretté président Jacques Chirac. C'en était un sacré quand même, Jacques Chirac. Ah là là là. Il y en a pas mal, hein, des bien bonnes avec lui. Bah, il y a son plus fidèle ami, Monsieur Debré, qui, de temps en temps, en raconte des pas tristes au sujet de Jacques Chirac. C'était un grand monsieur, un sacré bonhomme. Ah, la classe. Je suis premier. Trop la classe. Ah, la vache. Trop bien. Ah, nuageux. Ok. Faut voir si l'étape est pas trop longue, puisque je suis censé rendre l'antenne à 13h pour Fun Fan. Oh, 10 bornes, si c'en est une longue. À mon avis, je m'arrêterai sur le ralenti de cette étape-là. Encore que, oh, je suis censé faire Monkey Pera Reverse. C'est vrai que je peux sauvegarder toutes les étapes paires. On va voir. Là, je risque de mettre bah, justement 10 minutes pour faire l'étape. Là, ça fait trop long. Ou alors, ce que je fais, c'est que je continue avec l'étape suivante avant de sauvegarder, mais hors diffusion Twitch, mais je continue d'enregistrer. Ce qui veut dire que ce sera une exclusivité pour ceux qui regarderont la rédite sur YouTube. Éventuellement. Je peux la faire comme ça. Ou alors je sauvegarde pas et puis je la rejouerai le week-end prochain.
pourquoi pas. Surtout si je fais des âneries comme celle-ci. Ah, on retrouve les petites maisons du bord de route. On avait déjà ça la saison. Une petite maison de bois, c'est propre à la Finlande ça. Oh là là, oh punaise, ça doit faire très mal aux fessiers quand t'es à bord. Drainage catastrophique. Alors effectivement, je recommencerai cette épreuve le week-end prochain. C'est la chose de la mouise. Re-SDR. Bon, c'est pas plus mal. Je sauvegarderai pas. Et puis... pas grave. Ça compte pour l'Uber. Merloum, j'ai donné un coup de volant alors que je voulais pas. Mais j'ai tout fait. Presque des champs grégoriens. Merde. Je me suis laissé distraire, je vous le cacherai pas, par une notification. J'ai jeté un coup d'œil à mon écran secondaire, j'aurais pas dû, voilà l'erreur. Donc je vous confirme, je n'enregistrerai pas cette course. La trichure, trichage, triche. Mais c'est vrai que là, j'ai fait n'importe quoi. C'est déjà l'heure de la relâche. Oui, dans la chute quasiment dernier. Alors que, voilà, j'étais premier à l'étape précédente. Ça fait tâche. Encore que j'ai la portion 4 qui est... j'ai le record. Mais non, c'est pas grave. Je la referai le week-end prochain. Qu'est-ce que j'ai déclaré dans l'agenda? Je sais même. Ah, c'est vrai que j'ai déclaré projet Snowblind pour cet après-midi. Alors, peut-être que j'essaierai la dernière mission de projet Snowblind en fin d'après-midi, soirée, si je suis vraiment en grande forme. Mais je veux vraiment d'abord refaire le GIGN avant le projet Snowblind cet après-midi. Je me tiens au GIGN parce que là j'ai la pêche. Je suis en forme, donc il faut la tenter. Et comme voilà, j'avais essayé il y a 6 semaines,
il faut entretenir les bons réflexes. Il faut pas que je le mette trop de côté le jeu, parce que sinon je vais le lâcher. Aïe, j'oublie pas le FPS dans les égouts là, avec les zombies morts-vivants, les derniers rites, Last Rites. Faudra qu'on le finisse, je suis à la 7ème mission sur 10-11. Oh, Olive qui a pêché du Corégon Lavaré. Yeah, bien. Ouais, je vais déjà saisir la commande pour te faire un relais de chaîne, Fun Fan. Tu me diras quand t'es prêt, Fun Fan. Et puis moi, je vais me déguster. Oh, le gadin. Oh, oh, oh. Je vais me déguster une bonne salade, là, les gars. C'est bien, en plus, ça va rincer le goût. Je suis en train de me poser la question si je vais pas vous laisser la musique cet après-midi en arrière-plan pour le GIGN. Je peux entendre l'instructeur et da 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 au pistolet mitrailleur. Autant que je mette. Oh mince, j'ai donné un coup au cap de la webcam. J'ai failli la faire chicler. Faut que je fasse attention à mon matos, moi. Ah bah voilà, elle a pas aimé. Vous voyez, elle a pas du tout aimé. Je lui ai foutu une baie à ma pauvre webcam et ça y est, je me retrouve en mode vieux téléviseur, instable. Oh, le saut là aussi, impressionnant. Oh, 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 je suis devenu un monstre. Quelle horreur. Au secours. Oh. Ah, c'est horrible. Ah, oh, mais quelle horreur. Oh, au secours. Oh là là. Oh là là. Oh, ma webcam. Ah, quelle horreur. Attendez, je vais réactiver tout ça. Attendez, elle est où ma webcam dans mon montage? Oh là là. Ah ouais, elle se venge, la webcam. Ah, elle m'a fait monstrueux là. Attendez, je vais la réactiver. Ah, voilà qui est mieux. Ah, c'était immonde. Aïe aïe aïe. Ouais, trop fort hein. Effets spéciaux en temps réel. Ah non, c'était horrible. J'avais un double nez avec le front. Ah oh, quelle horreur. Aïe aïe aïe. Voilà, on voit comment ça se coule dans la voiture. C'est vachement bien restitué. Impressionnant. Mais tu m'étonnes que c'est mieux. En fait, dans mon interface, j'ai désactivé et réactivé la captation du signal webcam. Et ça permet de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Tu vois, je la touche à peine, elle est pas contente. Tu vois, ça a rebugué. C'est dingue, hein. Bon, j'attends ton signal, Fun Fan. Est-ce qu'il a lancé l'ami Fun Fan? Oui ou non? Ah, merde, j'arrive plus à la réactiver. Bon, bah, c'est pas grave. Je coupe ma webcam. Je la remettrai pour cet après-midi, va. C'est pas un pépin. Est-ce qu'il a lancé l'ami Fun Fan? Non, toujours pas. Il est dans la coulisse. Il travaille d'arrache-pied. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans l'autre étape en attendant? Pourquoi pas?
Ou dans la pelette. Oh non, une étape de nuit. Oh mon dieu. Alors j'aurai la notification de toute façon au bout de 2 minutes ou plus tard. J'ai la notif sur l'expérience du verre quand j'ai une chaîne que je suis qui prend l'antenne. Donc je verrai full fan. Peut-être qu'il est en train de se battre pour la résolution. J'ai fait n'importe quoi. C'est bizarre, je vois plus FunFan connecté. Il a dû redémarrer son ordi, à mon avis. J'espère qu'il arrive à reprendre la main sur son ordi parce que ce serait malheureux qu'il puisse pas faire son direct. Attendez, pardon, je suis en train de. Mais non, mon ami Pédénaz. J'arrive pas. C'est pas grave. Ah, ça y est, il est en train de lancer son direct. Ah, bah c'est cool. Voilà, je lance la commande pour le relais de chaîne. Donc merci SDR pour les bits que tu m'as versés en début de matinée. Merci tout plein, c'est très gentil de ta part. Voilà, prenez soin de vous. Bon app si vous êtes encore à table. Ou si vous allez y passer comme moi. Et là, bah, un plaisir pour le direct. Merci à vous d'avoir été là. Que dire d'autre? Que moi je vous retrouve à partir de 16h. Je ne sais pas à quelle heure exactement. On verra à quelle heure termine FunFan. D'ailleurs, c'est même limite si FunFan peut pas tenir jusqu'à 17h et faire son propre relais de chaîne à Bambastos. Quand je réfléchis, tiens, j'aurais pu lui suggérer ça. Et puis moi, je redémarre une fois que FunFan a terminé son direct pour me frotter au GIGN, quoi. Puis j'enchaînerai possiblement, si j'ai encore de l'énergie, en fonction de l'heure, sur le projet Snowblind, qui est excellent. Et à mon avis, je suis arrivé à la dernière mission, donc ça va être un régal. Allez, prenez soin de vous. Merci tout plein, c'était génial. Moi, je vous dis à cet après-midi, à partir de 16h. On se retrouve chez l'ami FunFan. La bascule devrait se faire dans quelques secondes. À vous, les studios!
Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, en rediffusion, merci à vous d'avoir regardé. Je vous salue, chers anonymes. À très vite.